Shalom, bienvenue à votre émission pour cette ta journée. C'est avec une grande joie que je vous retrouve, bien-aimé enfant de Dieu. Toi qui me regardes, sache que le Seigneur Jésus-Christ te donne rendez-vous à cette émission pour te donner de posséder par la puissance du Saint-Esprit ta journée. Ah, c'est toujours un réel plaisir pour moi de vous retrouver, de partager ces moments précieux dans la présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ manifesté dans le Saint-Esprit. Alors, bien-aimés enfants de Dieu, nous allons prier pour démarrer cette journée. Prie avec moi, parle au Seigneur avec moi, confie-lui ces instants afin que ces moments-là puissent être précieux pour toi, pour que tu puisses bénéficier de la grâce de Dieu, de la présence du Saint-Esprit, de la décharge spirituelle pour posséder ta journée. Alors, ensemble, prions le Seigneur. Gloria haran shidin so. Li kabroko shegede maitin bregede floria kantoloro boshedin mende la bragada we sous la braga tulubrukum te shabragada we. Père, nous te bénissons, te rendons toute la gloire. Merci de nous assister, Saint-Esprit, pour ces moments que nous passons dans ta présence. Tes enfants qui sont en ligne présentement, qui suivent cette émission pour cette journée. Cette émission matinale qui démarre à 5h du matin, plusieurs se sont réveillés afin de pouvoir suivre cette émission importante, afin de posséder cette journée. Notre Dieu, notre Père, viens maintenant par ton esprit nous conduire, nous diriger. Précieux Saint-Esprit, viens nous gérer, viens te manifester glorieusement afin que tout obstacle sur notre chemin soit levé. Oh Saint-Esprit, l'agora bagada wende blorokoshin, permets que tes enfants qui démarrent cette journée avec nous puissent posséder cette journée, puissent la prendre avec victoire, avec âme. Oh Dieu de gloire, permets maintenant que tout ce que tes enfants feront en cette journée soit, notre Dieu, sous ton couvert, sous ton contrôle. Et surtout, Père, couronné de succès, couronné de joie, couronné de victoire, de bonheur. Merci encore parce que tu vas disposer chacun à recevoir sa grâce, quel que soit le lieu où il se trouve, au nom de Jésus-Christ. Vous êtes bénis, enfants de Dieu. C'est toujours un réel plaisir pour moi de vous retrouver. Nous sommes dans la joie. Aujourd'hui, je veux parler du Goliath qui est sur ton chemin tous les jours. Le Goliath que tu rencontres pendant ta journée. Enfant de Dieu, tu peux t'exclamer. Tu peux crier de joie, tu peux acclamer, tu peux applaudir de là où tu es. Oui, des applaudissements, je vais dire de victoire, des applaudissements, de joie, parce que tu es vainqueur en cette journée, tu es victorieux en cette journée, tu es victorieuse en cette journée. Pourquoi? Parce que ton Goliath va tomber. Vous savez, le diable crée toujours des Goliaths sur notre chemin. Le diable crée des Goliaths dans notre travail. Le diable crée des Goliaths dans nos activités. Le diable crée des Goliaths dans nos business, dans nos affaires, dans nos projets. Et je suis venu te dire en ce jour, en ce matin, que ton Goliath va tomber. Le Goliath qui est mis sur ton chemin va tomber. Le Goliath qui est envoyé par les sorciers, le Goliath qui est envoyé par les mauvaises ondes des amis, des connaissances, des parents, pour pouvoir empêcher ton succès de se matérialiser, pour pouvoir empêcher ta bénédiction de se matérialiser, pour t'empêcher de posséder cette journée. Je te déclare maintenant même que ce Goliath-là tombe au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit avec moi, le Goliath tombe au nom de Jésus-Christ. Nous allons nous référer à l'histoire de David, du roi David. Quand nous parlons de Goliath, nous pensons directement au roi prophète David. Vous savez, David a véritablement été utilisé par Dieu. David fut un serviteur de Dieu. Depuis le sein de sa mère, depuis le sein de ses parents, David avait été choisi par Dieu pour être établi roi. Vous savez, déjà, nous pouvons constater par le témoignage que nous savons de David, il était un jeune guerrier. David était aussi prompt au boulot, prompt au travail. Lorsque Samuel, qui avait été choisi comme prophète pour oindre David, la Bible, quand il est allé dans la maison d'Isaïe, il a trouvé les frères de David. Il n'a pas trouvé David sur place. Pourquoi? Parce que David se retrouvait dans les champs en train de travailler. Il est important de comprendre que David était acharné au boulot, il était acharné au travail. Je déclare que de là où tu te trouves, dans ton travail, dans ton boulot, que la grâce de Dieu parte te localiser. Pendant que tu seras en train de chercher ton pain matinal, que le Dieu Tout-Puissant parte te localiser, te cibler, afin de faire de toi ce qu'il veut que tu sois. Au nom de Jésus, dis amen avec moi de là où tu es. Oui, David dit quand le prophète Samuel est arrivé dans la maison d'Isaïe, les frères de David sont venus devant lui parce que Dieu l'avait envoyé sans lui montrer même le visage du prophète qui allait être établi roi sur Israël. La Bible nous dit, Samuel étant homme de Dieu, étant prophète, est allé oindre le prochain roi à la place de Saül. Mais regardez ce qui va se passer. La Bible nous dit que
Le prophète Samuel regardait à l'apparence parce que les frères de David étaient corpulents, ils avaient une apparence imposante, mais Dieu n'était pas avec eux. Dieu ne les avait pas choisis. Dieu avait choisi le petit David. Je veux dire à quelqu'un, Dieu t'a choisi. Quel que soit ce que tu es, quel que soit ton niveau, Dieu t'a choisi. Il t'a choisi parce qu'il veut faire de toi ce qu'il veut que tu sois. Dis avec moi, je suis un choisi de Dieu. Je veux que tu répètes cela parce que je veux prendre l'exemple sur David pour que tu puisses posséder cette journée. Oui, tu dois la posséder. Regardez bien, la Bible dit, les frères de David sont venus devant le roi, devant le prophète, pardon, le prophète Samuel. Et le Seigneur disait à Samuel, non, ce n'est pas celui-là que j'ai choisi, ce n'est pas celui-ci que j'ai choisi. Et au fur et à mesure que chacun passait devant lui, la Bible dit qu'à un moment donné, même Samuel pensait que c'était un des frères de David, Eliab. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'il a vu Eliab avec une corpulence imposante. Il a dit, voilà, je suis sûr que c'est toi que Dieu a choisi. Et le Seigneur dit, non, vous les hommes, vous regardez à ce qui frappe à l'œil, à l'apparence. Moi, je ne regarde pas l'apparence, je regarde à la valeur humaine, je regarde à ce que j'ai mis en l'homme. Alléluia. Et voici que le prophète Samuel lui-même va commencer à poser la question au père de David, mais tu n'as pas un autre enfant parce que c'est dans ta maison que Dieu m'a demandé de venir oindre le prochain roi. N'as-tu pas un autre enfant? Même le père de David ne pouvait pas imaginer que c'était David. Il ne pouvait pas imaginer que ce soit David qui avait été choisi par Dieu. Enfant de Dieu, vous savez, Dieu va vous confondre vous-même. Dieu va confondre votre entourage, même votre propre famille. Je dis bien, Dieu va confondre. Les gens n'ont pas pronostiqué sur toi. Les gens n'ont pas pronostiqué, même ta propre famille n'a pas pronostiqué sur toi. Les gens ne considèrent pas que ce soit toi qui puisses relever la famille ou devenir grand ou devenir quelqu'un demain. Ou certainement même tu as déjà atteint certains niveaux, mais les gens pensent que tu as atteint ton paroxysme, c'est fini, tu ne vas plus avancer, tu ne vas plus évoluer, tu es arrivé à ton stade d'évolution. Je vais dire à quelqu'un, là où la main de l'homme est limitée, c'est là-bas que la main de Dieu commence. Écoutez, la Bible dit que David, par la puissance du Saint-Esprit, a été ciblé. Lorsque le prophète, autant pour moi, demande au père de David, Isaïe, n'as-tu pas un autre fils? Le père dit, un autre fils? Oui, mais j'ai un autre fils. Mais ce fils-là, c'est un jeune, c'est un enfant, il est dans la brousse, au champ, en train de paître les troupeaux. Je ne pense même pas que ce soit lui, il est tout petit. Et le prophète David, Samuel va dire au père de David, appelez-moi votre fils. Et lorsqu'ils l'ont appelé, la Bible était tout beau de visage, tout petit. Et l'Esprit va descendre sur le prophète pour dire au prophète, voici mon choix, voici celui que j'ai choisi pour établir sur Israël comme roi. Écoutez, Dieu ne tient pas compte de ton apparence, Dieu ne tient pas compte de ta forme, de ta taille, de ton visage. Dieu tient compte de ce qu'il a mis en toi et de ce qu'il va faire avec toi. Écoute-moi, 2021, c'est ce que Dieu va faire pour toi. Cette année, Dieu fera en sorte que tu puisses posséder déjà tes journées et tu puisses posséder ton année. Dis avec moi, la main de Dieu est sur moi et Dieu me donnera d'aller jusqu'au bout et vaincre mes ennemis. La Bible dit que lorsque David a été oint, il est arrivé un moment où le roi Saül avait été confronté aux différentes guerres et les Philistins qui avaient commencé à avoir une emprise sur le peuple de Dieu, sur Israël. La Bible dit que voici ce qui va se passer. C'était vraiment très important pour ce peuple-là d'expérimenter la gloire de Dieu. Vous savez, la Bible dit, Esaü a envoyé toute son armée, mais l'armée a été humiliée au point où les Philistins ont envoyé une lettre ordonnant à Saül de se soumettre, de prêter allégeance. Mais la Bible nous dit, David ayant appris que les Philistins étaient en train de mal parler au peuple d'Israël, au peuple de Dieu, David ayant appris que les Philistins étaient en train d'humilier son peuple, étaient en train d'humilier même le Dieu d'Israël, parce que les Philistins adoraient les mauvais esprits, les idoles. David, le jeune David, va s'énerver, il va prendre une position. Au point où même son frère Eliab viendra lui dire, mais pourquoi tu parles ici? David va dire, mais j'ai quand même l'autorisation, j'ai quand même la possibilité de pouvoir défendre mon peuple et défendre mon Dieu. Je n'accepterai jamais qu'un étranger vienne humilier mon peuple et vienne humilier notre Créateur. Je sais en qui j'ai mis ma confiance. Je sais que notre Dieu pourra nous défendre. Et il allait voir le roi Saül pour dire au roi Saül, moi David, je peux aller au combat. Je peux aller faire taire ses ennemis. Je peux aller faire taire ceux-là même qui veulent mettre l'opprobre sur notre peuple et sur notre Dieu. Notre Dieu est plus puissant. Je sais combien de fois mon Dieu m'a délivré des mains des lions, des mains des loups.
David était un témoin oculaire de la puissance de Dieu. Vous voyez, les lions pouvaient le tuer, pouvaient le manger. Aucun homme ne pouvait résister devant un lion ou devant des loups. Mais David a pu tuer des loups. Il a pu tuer des lions. Pourquoi? Parce qu'il avait la main de Dieu sur lui. Il avait la force de Dieu qui l'accompagnait. Et il a mis toujours sa même confiance en ce Dieu tout-puissant, au Dieu créateur tout-puissant manifestant Jésus, manifesté dans le Saint-Esprit. Il a mis sa confiance et il savait qu'il pouvait aller combattre Goliath. Goliath avait une taille extrême. Il n'était pas du commun des mortels. Goliath était un humain, mais un humain, je dirais, extraordinaire. Goliath avait une taille et une forme qui laissait à croire qu'il n'était pas un humain. Mais la Bible dit que David était prêt à affronter ce Goliath. Il allait dire au roi Saül, laisse-moi aller combattre cet ennemi. Laisse-moi, parce que je sais en qui j'ai cru. Je sais que le même Dieu qui m'a défendu dans les champs, ce même Dieu sera avec moi face à Goliath. Je veux dire, un enfant de Dieu, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, celui en qui nous avons mis notre confiance, nous devons placer toujours notre confiance en lui. Ce même Dieu qui nous défend, qui nous a défendu hier, il est avec nous pour nous défendre tous les jours. Tu dois comprendre que ta journée est entre les mains du Seigneur. L'Éternel permettra que tu puisses vaincre ton Goliath sur ton chemin. Écoute, David a reçu l'autorisation du roi Saül parce que lui-même, il avait peur. Il cherchait quelqu'un qui pouvait défendre le peuple. Et la Bible dit, Saül va donner son armement, son vêtement de guerre à David. Mais David va dire à Saül, je n'en ai pas besoin. C'est trop lourd pour moi. Je n'ai pas besoin de toutes ces armes. Je sais que j'irai combattre, mais avec l'Éternel des armées. Et voici que David va déclarer des paroles positives, des paroles puissantes, des paroles de foi, des déclarations prophétiques. Il dira, oui, je vais contre Saül. Je vais contre, pardon, Goliath, pas avec des armes. Je vais contre lui, au nom de l'Éternel. Il dit, tu viens contre moi avec ta lance et ton javelot. Mais moi, je vais contre toi, au nom de l'Éternel. David a pu déclarer que c'est l'Éternel qui était sa force. David a compris qu'en réalité, aucune arme sophistiquée, soit-elle, ne peut résister devant la puissance de Dieu. David a pu comprendre qu'en réalité, quel que soit le nom de l'armement, quelle que soit la puissance de l'armement humaine, aucune âme humaine ne peut résister devant la puissance de Dieu. Aucune âme humaine ne peut tenir devant le nom de l'Éternel. C'est pour cela qu'il a pu déclarer, enfant de Dieu, 2021, tu dois déclarer des paroles positives. Ta journée, tu dois déclarer des paroles positives. Tu dois posséder ta journée avec des paroles très, très positives. Tu ne dois pas posséder la journée comme cela, te lever matin, dire, voilà, je vais travailler, je vais faire mes affaires comme cela. Il faut prononcer des paroles parce qu'en chaque journée, il y a des réalités, il y a des obstacles que le diable met sur notre chemin. Même les hommes, écoute-moi, dans ton travail, tu travailles bien, des gens qui travaillent avec toi qui ne veulent pas que tu réussisses, que tu puisses évoluer pour qu'on puisse te donner une promotion. Les gens ne veulent pas que tu aies la promotion. Mon frère, ils vont créer de ces plans pour pouvoir te faire tomber ou te dénigrer. Tu es toujours confronté à des Goliath. Tu es toujours confronté à des difficultés qui dépassent ton entendement. Raison pour laquelle, chaque jour quand tu te réveilles, tu dois faire recours à la parole de Dieu. Tu dois déclarer des paroles positives comme David l'a fait. Tu dois faire recours au Créateur. Tu dois faire comprendre à la journée que tu es un Dieu qui est puissant. Tu dois faire comprendre à la journée que tu es un Dieu qui est au-dessus de tout. Ta journée est pour toi comme un Goliath. Tu dois dire à la journée, oui, je déclare que l'Éternel est avec moi, je te possède. Oui, tout obstacle que le diable va mettre sur mon chemin, ces obstacles-là tombent au nom de Jésus-Christ. Tu dois déclarer des paroles positives. David a dit dans 1 Samuel 17, au verset 46, regardez bien, il dit, aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux, du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Écoute-moi bien. David a pu déclarer des paroles puissantes, des paroles de victoire, des paroles de domination, des paroles de triomphe. David ne s'est pas, attelé sur les considérations, sur la réalité, sur l'apparence. David faisait confiance à l'Éternel. Comme lui-même pouvait le dire, il dit, si l'Éternel a pu me délivrer dans les champs face aux loups et aux lions, ce n'est pas face à ce négumène, cet homme, que l'Éternel ne me délivrera pas. Je dis à un enfant de Dieu, l'Éternel viendra te délivrer. L'Éternel va te délivrer absolument.
Pourquoi? Parce que tu crois en l'Éternel. Tu as décidé de mettre ta confiance au Dieu qui a tout pouvoir, au Dieu qui fait des miracles, au Dieu qui délivre, au Dieu qui restaure, au Dieu qui protège, au Dieu qui élève, au Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. La Bible nous dit qu'il a prononcé des paroles positives. Il avait déjà reçu la victoire avant même de combattre. Tu dois déjà obtenir ta victoire, déclarer ta victoire avant même déjà d'entamer ta journée. Déclare que cette journée t'appartient. Déclare que tous les obstacles que le diable met sur ton chemin tombent. Déclare maintenant que tout ce que les démons veulent, que ce soit une maladie, que ce soit des blocages, des accusations, toutes ces choses tombent au nom de Jésus-Christ et tu obtiens maintenant ta victoire. Tu obtiens ta victoire. Je dis que tu obtiens ta victoire. La Bible dit qu'il a déclaré. Il dit aujourd'hui même. Ce n'est pas demain. Aujourd'hui même, l'Éternel te livrera entre mes mains. L'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Il savait déjà que l'Éternel allait donner la tête, allait lui donner la tête de Goliath. Il allait couper cette tête, quand bien même qu'il n'avait pas encore entamé le combat. Enfant de Dieu, la Bible, quand David est allé au combat, il a pris sa gibecière, il a mis sa pierre, et il a commencé à l'enrouler autour de lui, à la tourner autour de lui. Et la Bible qu'il a lancé, quand il a lancé cette gibecière, écoutez-moi bien, la lance de David était orienté par la puissance du Saint-Esprit. La lance que David a lancée, écoutez, cette lance-là était projetée par la puissance du Saint-Esprit, dirigée par la puissance du Saint-Esprit. C'est la force de Dieu, l'Éternel, qui a accompagné cette lance-là jusqu'à toucher le front de Goliath. Pour te dire que c'est Dieu qui est ta force, c'est Dieu qui sait où se trouvent tes ennemis. C'est Dieu qui pourra cibler tes ennemis et les faire tomber, les détruire. C'est pour cela qu'il te faut faire confiance en l'Éternel. David a fait confiance en l'Éternel. La Bible, quand il a lancé sa lance, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit a utilisé cette lance-là et allait jusqu'à toucher le front de Goliath. Parce qu'il savait qu'en réalité, c'est en touchant le front de Goliath, perçant son front, qu'il allait tomber. Mais une simple pierre ne peut pas faire tomber quelqu'un. Un homme, un guerrier, un homme de cette taille, de cette corpulence ne pouvait pas tomber par le jet d'une pierre. Non, pas l'effet d'une pierre. Mais c'est parce que cette pierre-là, derrière la pierre se trouvait une puissance. Derrière cette pierre se trouvait la force du Saint-Esprit. Derrière cette pierre se trouvait la main de Yahvé, de l'Éternel des armées. C'est pour cela qu'il a dit à Goliath, tu viens contre moi avec ta lance et ton javelot, avec ton épée, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel. Bien-aimé, affronte tes ennemis avec le nom de l'Éternel. Affronte tes ennemis avec la puissance du Saint-Esprit, le sang de Jésus, la puissance du Saint-Esprit, la parole de Dieu. Oui, cette journée, tu dois l'affronter, la posséder avec la parole de Dieu, avec la confiance, les déclarations prophétiques, les déclarations positives. Si tu les fais, je t'assure, tu verras la gloire de Dieu se manifester dans tous les compartiments et départements de ta vie. Oui. La Bible dit, David a prononcé ses paroles et dit aujourd'hui l'Éternel te livre entre mes mains et je vais couper ta tête. Je vais couper ta tête. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. David a coupé la tête de Goliath. Goliath est tombé, David a coupé sa tête. 2021, ton Goliath tombe maintenant. Cette journée, ton Goliath tombe. Ton Goliath tombe. Pendant que je suis en train de te parler, ton Goliath tombe. Aujourd'hui, t'as envoyé un Goliath qui a une maladie. On t'a envoyé un Goliath qui est un problème qui ne finit jamais. Il t'envoie un Goliath qui est un problème de justice. Il t'envoie un Goliath qui est un problème de célibat. Il t'envoie un Goliath qui est une maladie qui est dans ton sang ou une maladie héréditaire. Il t'envoie un Goliath, c'est les diplômes que tu as, mais pas de suite. Il t'envoie un Goliath, ta vie ne connaît pas de succès. Ta vie, c'est un échec chronique. Il est important que tu comprennes que ce Goliath doit tomber. Fais confiance en l'Éternel, lève la voix, parle à ce Goliath, déclare que cette année tu tombes, cette journée tu tombes. Dis avec moi, Goliath, tu tombes, cette journée m'appartient. Oui, tout Goliath mis sur mon chemin tombe. Je ne viens pas contre toi avec une lance, je ne viens pas contre toi avec une arme physique. Je ne viens pas contre toi avec des Kalachnikov. Je ne viens pas contre toi avec des Mi-24. Mais je viens contre toi au nom de l'Éternel. Au nom de Yahvé. Au nom du Dieu Tout-Puissant. Au nom du Jéhovah HaMashiach.
au nom du Jéhovah Nissi, au nom du Jéhovah Rapha, je viens contre toi, au nom du Jéhovah Sabaoth, je viens contre toi, au nom du Jéhovah Tchekounou, je viens contre toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens contre toi, au nom du Dieu puissant, je viens contre toi, par la puissance et le feu du Saint-Esprit, je viens contre toi dans le sang de Jésus, dans le sacrifice de Jésus, tes œuvres échouent, au nom de Jésus, j'ai la victoire, dis avec moi, j'ai la victoire. La journée m'appartient, enfant de Dieu, la journée t'appartient. Tout Goliath sur ton chemin tombe, toute humiliation tombe. Oui, les hommes t'ont envoyé la maladie pour t'humilier. Ils ont les regards sur toi pour que tu restes dans ce perpétuel recommencement, dans cette situation à n'en point finir. Oui, on t'a bloqué ton ventre pour ne pas que tu enfantes. On t'a bloqué ton ventre pour ne pas que tu puisses enfanter. On t'a bloqué ton ventre avec des fibromes, des kystes. On t'a bloqué ton ventre avec ces problèmes de maladie. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Ils t'ont lancé une plaie. La plaie là, jusque là, la plaie ne guérit pas. Ça doit s'arrêter. C'est une Goliath. Il doit tomber. Et tu dois t'exclamer. Tu dois commencer à crier de joie. Comme le peuple a crié. Oui, c'est comme cela que toi aussi tu dois crier de joie. Quand Dieu te donne la victoire te fait crier de joie. Il est l'heure, c'est ton temps. C'est ton temps. C'est ton temps. C'est ton temps. Quand le temps de Dieu arrive, le Goliath sur ton chemin doit tomber. Mais tu dois faire comme David, qui a fait confiance à l'Éternel, qui a mis sa foi en Dieu. La Bible nous dit, il a dit, je ne viens pas contre toi, non. Je ne viens pas contre toi avec une âme quelconque. Je viens contre toi, non, de l'âme la plus puissante, le nom de l'Éternel. Tu as le nom de l'Éternel, tu dois lui faire confiance. Nous allons prier pour posséder notre journée parce qu'elle nous appartient. Nous la recevons. Nous la recevons. Nous l'obtenons, cette bénédiction, cette grâce de l'Éternel qui nous accompagne tout au long de cette journée. Oui, tu as la victoire sur cette journée, mais surtout n'oublie pas que tu dois prononcer des paroles positives. Dis avec moi, répète après moi. Seigneur Jésus, je possède cette journée. Cette journée m'appartient. Dans le sacrifice de Jésus, dans ton sang précieux, je déclare que maintenant, toute manigance diabolique, toute manigance démoniaque, tout plan fomenté contre moi dans le but de me faire tomber, de m'humilier, que tous ces plans échouent au nom de Jésus-Christ. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit que tout Goliath sur mon chemin. Le Goliath peut être la maladie. Le Goliath peut être le blocage qui ne finit pas. Le Goliath, Seigneur, c'est l'attente que j'ai depuis le visa que je n'obtiens pas. Le Goliath, Seigneur, ici, c'est le mariage qui n'aboutit pas. Seigneur, j'ai vécu des années de célibat. Le Goliath, ici, certainement tu es un homme et vous avez fixé une date pour le mariage ou la dot, mais jusque-là, il n'y a pas de suite. Depuis que vous avez fixé la date, les blocages, les difficultés financières ont commencé. Je déclare maintenant que la puissance de Dieu vienne à toi, que le Saint-Esprit vienne briser ce blocage, que ce blocage financier soit ôté, que toutes ces difficultés financières maintenant prennent fin, que la main de Dieu soit sur toi, que l'obstacle qui a été mis sur ton chemin soit enlevé, soit maintenant brisé par le feu du Saint-Esprit. Oui, je déclare que ton Goliath tombe maintenant. Oui, dis avec moi, mon Goliath tombe, le Goliath tombe, le Goliath tombe. Je déclare que cette journée m'appartient. Je la possède au nom de Jésus-Christ. Le Goliath, c'est la maladie. Tu traînes une maladie, tu traînes un mal depuis longtemps. C'est un Goliath pour toi. Pourquoi? Parce que ce mal t'empêche d'aller au travail. Ce mal t'empêche d'avancer. Ce mal t'empêche de pouvoir être, je veux dire, dans toute ta forme pour pouvoir vaquer à tes occupations, vaquer à tes business, à faire ce que tu as à faire. Il est l'heure maintenant que tu comprennes que ce Goliath là tombe. Je dis bien que ce Goliath tombe pour te laisser libre de vaquer à tes occupations. La Bible nous dit que le Seigneur Jésus est venu nous libérer. Il est venu nous délivrer des mains démoniaques et diaboliques. Déclare avec moi, j'ai la puissance du Saint-Esprit. J'ai le nom de Jésus. J'ai le sang de Jésus. J'ai la parole de Dieu avec moi. Je déclare maintenant que toute maladie dans mon corps disparaît. Oh, maintenant, je déclare que toute maladie disparaisse par le pouvoir et la puissance du Saint-Esprit. Je déclare que je suis libre. Je déclare qu'aujourd'hui même, j'entre dans une autre phase de ma vie. Je reçois ma bénédiction. De là où tu es, regarde, tu as passé des examens et jusque-là, pas de suite. Et cette année, tu es découragé, tu ne veux plus passer de concours parce que tu as tellement essayé des concours, ça ne marche pas. Tout ça, c'est des Goliaths sur ta vie, sur ton chemin. Je déclare que maintenant, lorsque tu vas te lever de chez toi, que tout obstacle
soit maintenant brisé. Cette journée-là t'appartient. Oui, tout ce que tu vas faire là, ça va marcher. Le business que tu t'en vas faire là, ça va marcher. Ton patron va aimer ta tête. Là où tu vas, ce qu'on t'a confié là, ça va marcher, ça va réussir. Je dis bien, ça va réussir. Avant d'entamer ta journée, déclare les bonnes paroles. Tout ce que tu veux, il faut déclarer. Avant que David ne parte faire le combat avec Goliath, avant qu'il entame le combat, il a même déclaré ce qu'il voulait que Dieu fasse pour lui. Il voulait que la tête de Goliath soit coupée. Raison pour laquelle la lance, sa gibecière, quand il a pris sa pierre et qu'il a lancé, la Bible nous dit que le Saint-Esprit a pris cette pierre, il l'a dirigé directement vers la tête. Et sur la tête, sur le front, il a fait tomber Goliath et David a coupé la tête de Goliath. C'est ce qu'il voulait que Dieu fasse pour lui et il a déclaré ce qu'il voulait. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi en cette journée? Déclare cela maintenant. Allez-y, va, déclare maintenant. Maman déclare, papa déclare, frère déclare, tonton déclare. Déclarez maintenant ce que tu veux que Dieu fasse. Tu vas certainement pour une affaire, tu vas certainement pour un projet, tu vas certainement pour une rencontre, pour une réunion. Et tu veux qu'à cette réunion, il y ait de bonnes paroles te concernant. Tu veux qu'il y ait des sujets qui vont te promouvoir, des sujets qui vont être en ta faveur. Je déclare maintenant, dis avec moi, je possède tout ce que je fais en cette journée. Je les possède au nom de Jésus-Christ. Maintenant même, je possède ma bénédiction. Je la possède au nom de Jésus-Christ. Vas-y, déclare avec moi tout ce que tu veux. C'est un business d'argent. Vas-y, combien tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Vas-y, dis ça marche. Dis ça marche. Dis avec moi ça marche. Je déclare que ça marche. Oui, oui, je possède ces millions. Cette journée, j'aurai beaucoup de millions. Cette journée, j'aurai beaucoup de business qui vont marcher. Cette journée, oui, je verrai des témoignages. Je parle maintenant de moi-même. Oui, cette journée, je verrai cette maman guérie. Cette journée, je verrai ce papa délivré. Je verrai cette personne guérie de la prostate. Je verrai cette personne guérie du sida, du cancer. Oui, 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 je verrai cette personne témoigner. J'aurai beaucoup de témoignages. Je verrai des enfants de Dieu gagner à Christ. Oui, je verrai plusieurs âmes qui vont se convertir, qui vont confesser que Jésus est Seigneur, qui vont accepter Jésus dans leur cœur. Je verrai des bouddhistes convertis. Cette journée, je verrai des écrancas convertis, des Illuminati convertis. Cette journée, je verrai des personnes qui ne croyaient pas en Dieu croire en Jésus-Christ. Des cœurs incrédules, des personnes incrédules croire que Jésus-Christ est vivant. La foi venir dans leur cœur. Oui, cette journée, je verrai des enfants de Dieu faire des offrandes pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Cette journée, je verrai des enfants de Dieu bénis. Oui, cette journée, je te vois prospérer. Je te vois avancer. Je te vois réussir à ce que tu vas faire. Cette journée, je vois le Saint-Esprit te protéger. Oui, cette journée, tu partiras et tu rentreras chez toi tranquillement, dans la paix, dans la tranquillité, dans la victoire, dans le nom de Jésus-Christ. Cette journée, je déclare que tout ce que tu vas faire là, ça va marcher. Oui, 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 ça va marcher, ça va marcher. Commence à acclamer de joie, commence à acclamer de joie, commence à sauter de joie, même si tu veux. De là où tu es, réveille-toi et crie avec moi. J'ai gagné, ça a marché, ça a marché. Mon Goliath est tombé, le Goliath de ma vie est tombé. Le Goliath est tombé, le Goliath est tombé, Goliath est tombé, il est tombé. Le Goliath, c'est le problème que tu vis, la situation que tu as. Il tombe maintenant. Au nom de Jésus-Christ, dans le sang de Jésus, tu as la victoire. Le cabro sheke rebros cambrele rimbolo loco shiri bisoro koto do lobo shegege marabagando lo robos kaiden bre rimma mama shikarabagando lo roboso rekete broko shiri bisambre kele bosan. In the libro cante bring the flow, me carabagan dolorobo shiki de bre, Mariam bereke tulurubo shikarabaga, lokete bring the flow, riam tolorobo skaidan Jesus Christ, me carobo shikete bre, me rabagan dolorobo skaidan Jesus oki on the bring, meribilikim boloko shibrakalabagan dolorobo skon, me kina balakashi gede boskom tolorobo shigerege. Merci Père, merci pour la victoire, merci pour tes enfants que tu bénis, merci pour ta puissance qui descend sur eux. Cette journée vous appartient, je déclare que le feu du Saint-Esprit vous accompagne, que maintenant la grâce et le bonheur soient votre partage en cette journée. Je déclare maintenant même que tout obstacle sur votre chemin soit levé. Je déclare maintenant que tout incident soit levé. Je déclare maintenant que tout ce que le diable avait programmé en cette journée soit annulé. Je déclare que toutes les paroles incantatoires, toute prostination contre votre vie soit maintenant enlevée. Je déclare maintenant que la puissance du Saint-Esprit maintenant soit mise en évidence afin de pouvoir vous accorder la victoire. Cette puissance est mise en
en évidence. Cette puissance est mise en évidence. Cette puissance est mise en action afin de pouvoir vous libérer, vous protéger, vous restaurer, vous garder dans les corps de ses mains. Vous recevez la puissance du Saint-Esprit maintenant même dans le nom de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu puisse vous localiser. Que le feu du Saint-Esprit vous localise afin de vous accompagner, vous sécuriser. Que vous soyez sous la bannière, la grande bannière du Saint-Esprit. Maintenant même, la journée est gagnée. 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 Nous avons gagné au nom de Jésus-Christ. Sois béni. Waouh. Dis avec moi, j'ai gagné. J'ai gagné au nom de Jésus-Christ. C'est avec une grande joie que je puisse te dire que Jésus fait tomber le Goliath de ta vie. Considère-le dans ton esprit déjà. Tout se passe déjà par la foi. David a démontré, a fait une preuve de foi. Lorsque David a décidé de prononcer des bonnes paroles, il était déjà en colère de voir qu'un inconnu, un incirconcis, vienne mal parler à son peuple et même à son roi. David respectait les normes. David n'était pas dans la joie parce qu'il était guerrier. Il ne pouvait pas accepter qu'un autre guerrier vienne salir le nom de son Dieu. Il allait affronter ce guerrier que tout le monde redoutait, que toute une armée redoutait, mais lui seul, il allait l'affronter parce qu'il savait qu'en réalité, il n'était pas seul. Il avait l'Éternel des armées avec lui. Enfant de Dieu, tu as l'Éternel des armées avec toi. Tu n'as pas à avoir peur, tu n'as pas à te soucier, à t'inquiéter. Fais confiance à l'Éternel. Il ne t'abandonnera jamais, ni toi, ni ta famille, ni tes enfants, ni tes frères et sœurs. Crois en l'Éternel, fais-lui confiance. Il accomplira son action puissante dans ta vie. Il accomplira sa volonté dans ta vie. Fais comme David qui a démontré qu'il croyait en l'Éternel. C'est une preuve de foi. La Bible que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. David n'avait pas encore vu Goliath tomber, mais il le voyait dans son esprit. Il le voyait par sa foi. Il le voyait par sa foi. Il le voyait dans le monde spirituel. David, Goliath tombé face à lui. Il a vu Goliath tomber. Il a vu Goliath, la tête de Goliath dans ses mains. Oui, il a vu la tête de son ennemi dans ses mains. Est-ce que tu vois la tête de ton ennemi dans tes mains, en esprit? Est-ce que tu crois que tes ennemis vont tomber? Est-ce que tu crois que les sorciers qui t'attaquent, les personnes qui ont fomenté des choses dans le secret contre toi, qui ont tramé des choses négatives contre toi, tomber? Est-ce que tu crois que Dieu a enclenché ce qu'on appelle le retour à l'envoyeur? Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit t'a barricadé de sa puissance? Est-ce que tu crois que les flèches de l'ennemi ne vont pas t'atteindre? Est-ce que tu crois que les desseins des hommes ne pourront pas t'atteindre? Est-ce que tu crois que l'Éternel, notre Dieu, est avec toi? Est-ce que tu sais qu'il est avec toi? Si tu crois, je vais te dire aujourd'hui même que l'Éternel te donne la victoire. Oui, la victoire t'est donnée. La victoire t'est accordée. La victoire est un acquis. Dis avec moi, c'est un acquis. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Enfant de Dieu, tu es béni. Je veux profiter de cette occasion, de là où tu te trouves, pour t'inviter à nos différents programmes. Nous prions déjà à la Mission Mondiale Évangélique, Fondation Choc et Rocher, de Angré. Tous les jours, nous recevons et tous les dimanches, nous prions de 7h à 11h. Oui, pourquoi 7h? Pour que vous puissiez vite venir. Il y a du monde. Viens pour avoir vite la place afin que nous puissions prier pour toi, pour que le Seigneur puisse te visiter. De là où tu es, quelles que soient les villes de l'intérieur, nous avons la Mission Mondiale Évangélique partout en Côte d'Ivoire et même dans les pays d'Afrique et aussi en France. La Mission Mondiale Évangélique est représentée dans plusieurs pays. Je veux dire à un enfant de Dieu qu'il est important que tu reçoives la grâce de Dieu de là où tu te trouves. Et si tu veux avoir un entretien avec nous, tu peux prendre rendez-vous à travers les numéros qui sont au bas de l'écran afin de pouvoir obtenir un rendez-vous privé. Et je crois que notre Dieu fera du bien à ton âme. Le Seigneur te permettra d'être un témoin oculaire de sa puissance. Nous avons un grand programme organisé par le grand missionnaire Joker Rocher et ses disciples à la place Figayo de Yopougon à partir de 16h, les vendredis 5 et samedi 6. Vendredi 5 à partir de 16h et le samedi 6 à partir de 16h à la place Figayo de Yopougon. Enfant de Dieu, c'est un grand rendez-vous, un rendez-vous qui va bouleverser ta vie de façon positive. Viens, tu es malade, tu as un problème, tu as un souci, tu as une difficulté, tu ne comprends rien de ta vie. Jésus te donne rendez-vous. C'est un rendez-vous qui va bouleverser ta vie de façon positive.
C'est un rendez-vous qui te permettra de pouvoir rentrer dans une dimension extraordinaire de ta gloire. C'est un rendez-vous que Dieu te donne pour que toi aussi tu aies un album de témoignages, pour que toi aussi tu sois en contact avec ton miracle, pour que toi aussi tu puisses dire, j'ai vu Dieu de mes propres yeux, j'ai vu Dieu agir dans ma vie. Comme Jean pouvait le dire, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais aujourd'hui mes yeux t'ont vu. Oui, tes oreilles avaient entendu parler des miracles, des merveilles de Dieu, mais aujourd'hui là, ce jour-là, tes yeux verront Dieu. Tes yeux verront Dieu. Il est l'heure que tu viennes expérimenter la gloire de Dieu. Tes yeux doivent voir Dieu dans ta vie. Tes yeux doivent expérimenter la puissance de Dieu. Tu dois voir, toucher, palper le miracle de Dieu. Donc, ce vendredi 5 février 2021 et ce samedi 6 février 2021, à partir de 16h à Yopougon, une commune d'Abidjan, à la place Figayo, pour expérimenter le miracle de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Je vais prier pour vous. Vous allez lever les mains de là où vous êtes. Mettez la main droite sur le front, une main gauche. Levez. Seigneur notre Dieu, je bénis ton nom pour tes enfants qui sont entre tes mains. Je te les confie en ce jour. Je prie que tu puisses les arroser, que tu puisses les bénir et leur donner de posséder cette journée. Que cette journée soit une journée de grâce, une journée de bénédiction pour eux. Je prie maintenant que tout obstacle sur leur chemin, tout Goliath, tombe au nom de Jésus-Christ. Je déclare que le Goliath tombe et que tes enfants soient victorieux, qu'ils puissent dominer, qu'ils puissent demeurer dans la victoire, dans le triomphe, oh, dans le nom glorieux et majestueux de Jésus notre Seigneur. Béni sois-tu le Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu de notre maître, le grand missionnaire Joker Rocher. Que ton nom soit élevé, glorifié, scandé, exalté, magnifié. Toi le Dieu vivant, réel, puissant, le Dieu qui ne change pas. Béni sois-tu Père pour tes enfants que tu bénis en cette journée. Tu leur donnes de posséder cette journée dans la paix, dans la grâce, dans le bonheur et dans la joie, au nom de Jésus. Amen. Shalom, que Dieu vous bénisse et à notre prochain rendez-vous, demain à 5h sur votre chaîne préférée, Béni TV. Que Dieu vous bénisse. Shalom.